fait, on est à l'aube d'une nouvelle élection en Gaule, et la candidate se présente, une candidate extrêmement à droite, en un seul mot, se présente, et elle est à 3 points de l'élection suprême. Et donc, pour avoir ces 3 points, elle décide de cibler un vote communautaire, notamment le vote de la communauté israélite. Et donc, elle va tout faire pour ça, et notamment, elle va embaucher un agent de com, Serge Klein, qui est chargé de vanter les mérites, de vanter ses mérites à cette future candidate, Sylvie Lefebvre. Mais ça va pas vraiment se passer comme elle le désirerait. On a beaucoup, beaucoup réfléchi avec mon équipe et on s'est dit, tiens, pourquoi pas les feuilles? Et t'appelles ça réfléchir? Oh. Monsieur Klein, si je suis venue vous chercher, c'est que je vous apprécie parce que vous êtes avant tout un symbole. Quel genre de symbole? Genre juif, très typé, limite louche, avec un capital sympathie énorme. Les Français adorent. C'est une comédie satirique, voilà, qui met en scène les arrière-cuisines et l'arrière-pensée de cette brave candidate, toujours aidée, entre guillemets, par son bon papa, qui lui est un candidat malheureux, mais qui n'a garde espoir, enfin qui a d'autres espoirs et d'autres ambitions pour lui-même. Voilà, c'est que ces conneries là que t'as jamais été élu, pauvre con! Oh! Et l'autre tout mou, qui lui a emboîté le pas, avec son redressement productif. Ah, on l'a senti le coup de cric! On est député de ce machin là. Ouais, député de quoi? Bah, du machin européen! Oh oui, j'oublie. Ce n'est pas bien grave. L'essentiel, c'est que eux pensent à te verser tes 20 000 écus tous les mois! Quel programme? Abandon de l'euro pour un retour aux francs? Aux anciens francs! Faut-il le préciser? Nous ferons ainsi une France des millionnaires! Et tu crois qu'un fauche ira voter pour toi avec ces conneries là? Bah faut dire quoi alors? Le rire. Moi, voilà, c'est le seul parti qui m'intéresse. Je ne suis ni de gauche, ni de droite, ni du centre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que si ces gens parfois font peur, moi, ils me font rire. Et je préfère de loin en rigoler plutôt qu'en péter de trouille. Voilà, c'est ce que je veux mettre en avant dans cette pièce.